basi na koti kayote yaya na koti kayote na koti kayote yaya na koti kayote hata yo pambo lingaite awe hata na miso na monye lokote awe hata na nzoto langa ngai na yoki pasi pasi na koti kayote yawe yawe que nous faisons ce matin. C'est la déclaration que nous te faisons ce matin. Nous ne t'avons pas suivi pour le matériel. Nous ne t'avons pas suivi pour le voyage. Moins encore pour le travail ou pour les enfants. Nous t'avons suivi parce que nous t'aimons et parce que nous voulons aller au ciel. Nous t'avons suivi pour notre éternité, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu ne cesses de faire envers nous. Nous ne méritons rien, mais c'est ta grâce, ta bonté, ta fidélité qui se manifeste envers nous. Que soit la gloire, que soit l'honneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prends avec moi la Bible dans le livre de Luc, Luc 10, 25 à 37, et nous allons terminer par Matthieu 5, 43 jusqu'à 48. Luc 10, 25 jusqu'au 37e verset. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il lui dit. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?»
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. » Nous sommes dans Matthieu 5. À partir du 21e, nous descendons. À partir du 43e verset, Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole du Seigneur. Reprenons nos places. Le sous-thème que je nous propose ce matin dans ce grand thème, l'amour est une puissance négligée. Pour ceux-là qui écrivez, qui est mon prochain? C'est une question que nous allons répondre à la fin. Qui est mon prochain? Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, nous remarquons que c'est un livre qui est rempli des uns et des autres. En lisant la Bible, il y a dans plein des endroits où on a mentionné les uns et les autres. Tel que tu verras, dans la Bible, il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Eux-mêmes, encouragez-vous les uns les autres. Quand il lit la Bible n'est pas égoïste. La Bible a mentionné et ta bénédiction, mais aussi la bénédiction des autres. Retenons que chacun de nous a un devoir envers l'autre. Et de même aussi, l'autre a un devoir envers quelqu'un qui est à ses côtés. Dieu ne fonctionne pas dans le mode solitaire. C'est pourquoi même il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu travaille toujours avec toi, mais il aimerait que pendant qu'il agisse avec toi, que tu penses aussi aux autres. Pendant qu'il te bénisse, que tu penses aussi aux autres. Pendant qu'il te fortifie, il veut aussi que tu penses aux autres. Alléluia. Retenons que dans ce que Dieu te donne, il y a des choses pour les autres. Dans ta bénédiction, dans ta faveur, dans tout ce que tu reçois, il y a la part des autres. Parce que Dieu a déposé les choses des autres auprès de toi. Il a déposé de même tes choses à toi, tes bénédictions que tu dois avoir auprès des autres. Il y a des gens qui seront bénis par toi. C'est comme ça que Dieu a établi des choses. En te bénissant, il pense à quelqu'un d'autre qui sera béni par toi. Et de même aussi pour te bénir, Dieu utilisera un homme comme toi. Parce qu'en lui, il a déposé ce que toi tu dois avoir. Lorsque nous regardons la vie de Joseph,
Dieu l'a béni, mais après il avait compris que c'était pour sauver un peuple nombreux. Il ne se contentait pas que de sa bénédiction, mais il avait compris au travers de tout ce qu'il avait, que dans ce qu'il possédait, c'était pour sauver Israël. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui aiment souvent la solitude sont considérés comme des problématiques. Les gens qui aiment rester seuls. Je veux personne, je me plais à être seul. Je ferme ma chambre, je veux être seul. Je ferme ma maison, je veux être seul. Moi, j'aime pas trop être à côté des gens. Quand vous observez bien la vie de telles personnes, vous allez remarquer qu'ils sont problématiques. C'est pourquoi ils évitent les gens. Parce que même Satan, il a des démons pour l'assister. Mais comment toi, tu veux être seul? Même Satan, il a ses démons. Il est entouré des gens. Mais pourquoi toi, tu aimes être seul? C'est qu'il y a un problème. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes, des blessures, qui ne sont pas soignées. Alors, ils se réfugient en eux-mêmes. En se réfugiant en eux-mêmes, ils se font encore plus du mal. Restant dans sa chambre, mais il se détruit encore davantage. Croyant que c'est une solution, alors que c'est un problème qu'il est en train de se créer. Lorsque tu comprends que Dieu a déposé des choses des autres à moi, tu iras vers les autres. Lorsque tu comprends qu'il y a des choses qui m'appartiennent, qui sont auprès des autres, tu iras vers les autres. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen, amen. Bien aimé, la lecture que nous avons faite dans Luc 10, c'était une réponse que Jésus avait répondu à un docteur de la loi. Il est venu poser la question, comment fallait-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais la loi. Il s'est rendu compte qu'il respectait cette loi. Alors la question qu'il voulait savoir pour éprouver Jésus, quand il a répondu à la loi par rapport que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même, il voulait prouver Jésus en lui posant la question, alors qui est mon prochain? Parce que les Juifs, ils avaient une pensée par rapport au prochain. Pour les Juifs, les prochains, c'était les enfants d'Israël. Alors, ils voulaient être sûrs réellement s'ils fonctionnaient de la même manière que Jésus. Ils attendaient que Jésus l'appuie sur sa pensée. Mais Jésus lui répond par une parabole. Il lui dit, il y avait un homme qui quittant Jéricho, quittant Jérusalem pour Jéricho. Pendant qu'il était en route, il est tombé entre les mains des brigands qui les dépouillèrent, les frappant et les laissant à demi-mort. Un sacrificateur est passé par là, il a laissé cet homme. Les Lévites de même, et les troisièmes, c'était les Samaritains. Alors à la fin, Jésus lui pose la question, qui étaient les vrais prochains de cet homme? Il a eu à répondre, il a dit, c'est la troisième personne. C'est les Samaritains. Amen, amen. Bien aimé, quand nous examinons la parabole de Jésus, qui est la base de mon message, nous comprenons que l'homme qui quittait Jérusalem pour Jéricho, il connaissait bien sa destination, mais ce qu'il ignorait, c'était sa destinée. Il savait que je quitte un point A pour un point B. Je quitte Jérusalem et je vais à Jéricho. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer pendant son voyage. Il connaissait les lieux du départ, mais il ne savait pas quelles étaient les réalités qu'il pouvait rencontrer dans sa destination. Bien-aimé, c'est pour dire à quelqu'un que Jésus d'abord et les restes après. Tu peux avoir de bons projets. Tu peux envisager de grandes choses. Tu peux avoir de grandes imaginations. Oui, c'est ça la destination. Mais est-ce que tu connais ce que tu peux rencontrer? Est-ce que tu sais ce qui peut arriver? Avoir des projets n'est pas mauvais. Mais dans tes projets, s'il n'y a pas Jésus, tu risquerais de tomber entre les mains des brigands. Tu peux avoir une belle vision. Qu'en cette année, je ferai ceci. J'accomplirai ceci. Je ferai ça. Tu as aussi la foi pour cela. C'est très bien. Mais seulement le maître des temps et des circonstances, c'est le Seigneur. C'est lui qui connaît réellement. Dans tes projets, comment est-ce que les choses vont se passer? Cette année, je veux me marier, c'est bien. Cette année, je veux voyager, c'est bien. Cette année, je veux travailler, c'est très bien. Mais seulement, Jésus d'abord.
Parce que lui, s'il est avec toi, il va assurer ton voyage. S'il est avec toi, il va assurer ton déplacement. Il va garantir tes pas. Et même si le mal pourra t'arriver, tu t'en sortiras toujours parce qu'il sera avec toi. Cet homme n'avait pas tenu compte de ces petites réalités. Et il est tombé en cours de route. Maltraité, frappé, et les bandits l'ont laissé à demi-mort. Et la Bible dit que la première personne qui était passée par là, c'était un sacrificateur. Les sacrificateurs, au fait, c'était des intermédiaires entre les hommes et Dieu. Les hommes apportaient auprès d'eux les sacrifices. Et c'est eux qui étaient en train d'immoler les sacrifices en faveur du peuple. Ils faisaient les services pour le peuple. Le point de contact entre les hommes et les sacrificateurs, c'était les sacrifices. Dans les temples, les hommes venaient avec des sacrifices et les sacrificateurs les recevaient. Ils immolaient cela et ils s'attendaient à ce que le parfum monte auprès de Dieu. Mais seulement ces jours-là, la personne qui était tombée n'avait pas de sacrifice. Il n'avait rien. Donc pour dire que les sacrificateurs n'avaient rien à faire de la personne qui n'avait rien du tout. Il était main vide. Si peut-être il avait un sacrifice, le sacrificateur pouvait faire son travail. Mais ce jour-là, il était main vide. D'ailleurs, il était à moitié mort. Il est passé à côté. Non, ça, n'est ni à peine de l'autre côté. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui ne s'attachent à d'autres que par intérêt. Quand il y a des choses, il a toutes les affections envers toi. Mais le jour où tu n'as rien, il passe à côté. Tu es en bonne santé, il est collé à toi. Mais le jour qu'il entend que tu es mourant à l'hôpital, il passe à côté. Des gens qui sont là, qui supposent être des amis intimes, mais qui dans leur cœur, ils sont des profiteurs. Il est là parce que tu as un bon diplôme. Il est là parce que tu as un bon travail. Il est là parce que tu as quelque chose à lui donner. Mais dès que tu n'en auras plus, il te dit au revoir. Il ne t'appelle même plus. Les sacrificateurs, tant qu'ils recevaient les sacrifices, ils étaient attachés aux hommes. Mais ce jour-là, l'homme qui donnait les sacrifices était là. Il était par terre, mourant. Sans sacrifice, il est passé à côté. Il n'y avait pas d'intérêt. Il y a certaines personnes. Il regarde les hommes comme des produits dans lesquels il faut qu'il y ait des intérêts. Quand lui te regarde, il sait que tu es un produit et derrière ces produits, il faut que j'aie des profits. Il ne regarde pas des hommes comme Dieu les regarde. Il voit derrière eux l'élévation, il voit derrière eux le mariage, il voit derrière eux quelque chose. Il se donne, non pas par affection, mais par des intérêts. Bien-aimé, quand Judas regardait Jésus, il ne voyait pas en Jésus un Messie, mais il voyait en Jésus une marchandise qu'il pouvait vendre en cas de besoin. Quand Pierre regardait Jésus, il se disait, ah, c'est mon sauveur, à qui irions-nous? Judas n'avait jamais ce langage-là. Il n'en avait jamais. Il regardait Jésus, il se disait, ça vraiment c'est une bonne marchandise. Le jour où je serai dans les besoins, c'est ça le produit que je vais vendre. Alléluia. Bien-aimé, le monde est ce qu'il est. Tu ne peux pas comprendre, connaître le cœur de l'homme. Les gens qui te disent je t'aime, je t'aime, je t'aime, est-ce que tu connais son cœur? C'était des mots que Delilah disait à Samson. Je t'aime, dis-moi les secrets. Mais les « je t'aime » de Delilah n'étaient pas les vrais « je t'aime ». C'était des « je t'aime » des emballés à l'intérieur. Il y avait des attentes. Samson ne savait pas le pourquoi de Delilah dans sa vie. Mais Delilah savait pourquoi elle était dans la vie de Samson. Quelqu'un qui vient avec des calculs, toi tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais lui-même il sait pourquoi il est là. Il est là par calcul, il n'est pas là par affection. Il te montre des sourires. Il te dit des belles mots, des belles paroles. Mais il sait pourquoi il est là. Il sait lui-même pourquoi il est là.
Et dès qu'il atteindra ce but, il te dira au revoir. Dès qu'il verra que non, ça ne marche pas, ici ça échoue, il s'en va. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi les calculateurs, les profiteurs, si tu veux les reconnaître, ils ont une chose, et tous ils ont une caractéristique commune. Et ils ne travaillent pas par rapport à ton futur, ils travaillent par rapport à ton présent. Quand tu es à côté d'un calculateur, tout ce qu'il fera avec toi, il ne pense pas à demain parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Il n'attend pas 10 ans, il n'attend pas 5 ans. Il finit avec toi aujourd'hui. Si tu as de l'argent, vous finissez cet argent ce jour-là. Si tu as un compte en banque, il te dit même, prends ça. On va voyager, prends ça. On va bouffer ça. Parce que lui, il s'intéresse à ton présent plus qu'à ton futur. Malheureusement, il y a même des mariages qui sont basés sur des telles caractéristiques. Des gens qui sont mariés, peut-être l'homme ne connaît pas pourquoi cette femme s'est attachée à moi. Pourquoi la femme ignore pourquoi cet homme s'est attaché à moi. Mais l'autre qui profite, il est conscient de pourquoi il est là. Il sait pourquoi il est là. Il fait des semblants, mais dans son cœur, il sait que Mukolego Yinda, moi, na bendana. C'est ainsi que vous voyez des gens être ensemble pendant longtemps. Le jour où on les renvoie du travail, la femme lui dit clairement, « Nga na balakio na musala, na balakio chomerte. » Elle le rappelle le pourquoi et comment est-ce qu'elle s'était attachée à lui. C'est sacrificateur. Il se plaisait certainement quand on lui amenait des sacrifices. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de sacrifice. Et il est passé à côté. La deuxième personne qui était passée, c'était les Lévites. Les Lévites, c'était des personnes qui servaient dans le temple. Ils étaient dans le lieu saint. C'est eux qui faisaient les services. Et quand vous lisez Nombre 1 à partir du 47e verset, Dieu était en train de demander à Moïse de faire les dénombrements de son peuple. Il demandait à Moïse de faire les dénombrements par tribu. Mais particulièrement pour les Lévites, il a dit, ne les comptez pas. Au fait, les Lévites étaient un peuple au milieu du peuple. Ils étaient comme des particuliers. Ils étaient comme des privilégiés. Et ils savaient qu'ils avaient beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Et cette importance-là les amenait à se considérer plus que les autres hommes, plus que les autres tribus. Si ces Lévites, en passant, il avait remarqué que celui qui était là couché avait la tenue des Lévites, il allait s'arrêter. S'il voyait que celui qui était par terre en train de mourir était un Lévite, il ne pouvait pas passer, il allait s'arrêter. Mais comme il n'avait pas la tenue, il n'avait rien de Lévite, il est passé à côté. Des gens qui ont toujours la tendance de classe. Tu n'es pas de mon obédience. Tu n'es pas de mon niveau. Tu n'es pas de mes tendances. Tu n'es pas de ma façon. Tu n'as pas le même aspect. Tu n'as pas la même forme que moi. Je ne t'aide pas. Des personnes qui ne t'aident que par ce qu'ils voient. Ils voient d'abord avant de soutenir. Il y a des colonies. Des personnes, même si tu n'as rien, lui, il ne te regarde pas par rapport à tes besoins. Mais il veut savoir si tu es de chez lui ou bien si tu as des choses qui peuvent le permettre de t'aider. Des gens qui ont créé des plateformes, des groupuscules pour empêcher des autres d'y accéder. Des gens qui brandissent la vie professionnelle pour exclure des gens qui sont des chômeurs. Le mal, c'est que ça se passe même à l'église. Même à l'église, on tient compte des classes. Mais lui-là, il n'est pas comme nous. À l'église, papa. Ici, à l'église, c'est Jésus. Lui qui a laissé son trône, il est venu pour toi. Toi, tu tiens compte de ta classe. C'est absurde. C'est absurde. S'il avait tenu compte de sa classe, il ne pouvait pas descendre sur la terre. Mais toi qui n'es qu'un humain, tu n'es là que pour peu de temps. Tu finiras par passer, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit tes diplômes,
quelle que soit ta beauté, quel que soit tout ce que tu as, tu vas passer. Tu vas passer. On fait des groupes à l'église. On fait des groupes aux universités, rien que pour exclure les autres. Il ne parle pas français. Il n'est pas intelligent. Non, pas lui. Mais celui qui n'a pas intelligence, peut-être il a la chose de Dieu. Il manque des choses, mais il a aussi d'autres choses. Il a aussi des choses, frère. Celui que tu minimises, peut-être c'est l'avenir de demain. Bien-aimé, quand tu comprends les choses de Dieu, tu regarderas les hommes avec les regards de Dieu et non pas avec les regards des hommes. Quand Dieu regarde un David qui est berger, il voit en David qu'il est un roi. Quand il regarde un Joseph en prison, il voit que c'est un premier ministre. C'est pourquoi quand il emprunte les regards de Dieu pour regarder les hommes, jamais tu vas les minimiser. Tu vas considérer même le moins que rien. Alléluia. Bien-aimé, c'est un danger de l'église actuelle. Où nous avons même des églises qui ne parlent qu'une seule langue. Alors les gens des autres langues, comment ils vont travailler avec vous? Biso a tozana munoko na biso to adorer la ka. Biso a tozana ba louange na biso. Donc soko zana kati na munoko wana te. Tu n'as pas de place. Bien, mais c'est pourquoi il y a certaines églises où je me pose seulement, est-ce que le Seigneur est encore là? Parce que de même que les Juifs pensaient qu'il était toujours, ils étaient toujours avec le Seigneur, alors que lui, il avait déjà changé des choses. Il y a aussi certaines églises qui croient fonctionner toujours avec Dieu pendant qu'il est déjà en dehors du système. Comment est-ce que vous pouvez avoir une église Bolobaka à Chiluba? Banze Monabino na Chiluba. Adoration na Chiluba. Donc même si je veux entrer en profondeur, je me dis, dans certaines églises, si tu n'es pas de la tribu de l'homme de Dieu, parce que déjà la langue officielle de l'église est reconnue. Il y a une langue officielle de l'église. Où tu sens qu'entre les papas, c'est la langue. Entre les mamans, c'est la langue. Entre les sœurs, c'est la langue. Même entre les enfants, les codimes, c'est la langue officielle. On te dit ici, c'est comme ça. Tu essayes, tu te bats, mais tu te dis, ah non, il y a des murs partout. Je sors. C'est ça, les Lévites. Ils créent des barrières pour qu'il ne soit qu'entre eux. Bien-aimé, si tu aimes que ceux-là qui sont de ton obédience, si tu n'aimes que les gens comme toi, au fait, tu ne fais pas trop mal. Ce n'est pas trop mal, mais seulement c'est une petite dimension de l'amour. C'est une petite dimension de l'amour. Parce qu'au fait, quand nous parlons de l'amour, l'amour a trois formes. Où l'amour peut se manifester en trois formes. Le premier type, ou bien la première forme de l'amour, c'est cet amour que nous appelons l'amour eros. C'est en latin. Amour eros. Au fait, c'est l'amour entre les mariés. C'est cet amour qui est dans l'intimité entre les mariés. C'est l'amour qui est basé sur les intimités entre les mariés. C'est aussi une forme d'amour. Le deuxième forme d'amour, c'est l'amour philos, l'amour vers les siens. Comme toi, tu aimes tes frères, tu aimes tes enfants, tu aimes les gens qui sont proches de toi. C'est aussi une forme d'amour qui n'est pas mauvaise. Mais les deux formes d'amour n'est pas aussi glorieuse que la troisième forme, qui est l'amour agapé, l'amour désintéressé. L'amour qui ne tient pas compte des gens, mais qui aime seulement tous ceux-là qui sont créés à l'image de Dieu. La dimension de l'amour d'agapé, c'est cet amour que Christ nous a manifesté. Il n'est pas juif, mais il t'a aimé pendant que tu es congolais. Alléluia. C'est la plus grande dimension de l'amour. C'est cet amour que nous voyons dans 1 Corinthiens 13, où Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Il ne te demande pas seulement d'aimer tes frères à la maison. Il ne te demande pas seulement d'aimer ceux-là qui sont à l'église. Mais il te demande d'aimer tous ceux-là qui sont créés à l'image de Dieu. Si tu reconnais que celui qui est en face de moi est créé à l'image de Dieu, tu dois l'aimer.
Tu peux aimer ton frère biologique, mais tu dois aussi aimer ton frère spirituel. Tu dois aimer ton frère spirituel, mais tu dois aimer aussi ces païens-là de ton quartier. Alléluia. C'est ça l'amour agapé, qui ne regarde pas ce que l'autre possède, qui n'est pas basé sur les intérêts, qui ne sont pas basés sur le matériel, moins encore sur l'argent, mais qui aime seulement. Qui aime seulement. Je t'aime seulement parce que tu es créé à l'image de Dieu. Je t'aime seulement parce que Dieu t'aime. Je ne peux pas haïr celui que Dieu aime. Je t'aime seulement. C'est ça la plus grande dimension de l'amour. Et c'est ce dont nous parlons. Alléluia. Et les deux personnes, ils ont manifesté leur manière de vivre envers celui qui était par terre. La troisième, qui était les Samaritains, lui aussi passait par le même chemin. Bien-aimé, il y avait un conflit entre Israël, entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs considéraient les Samaritains comme un peuple souillé. Ils ne voulaient pas s'approcher d'eux. Parce qu'à l'époque de Roboam, le royaume était divisé en deux. Il y avait la partie nord et il y avait la partie sud. Et la partie nord avait comme capitale Samarie. La partie sud avait comme capitale Juda. Et les temples d'Israël étaient à Juda. Et les gens qui étaient à Samarie devaient monter pendant les fêtes pour aller adorer Dieu dans Juda. Il se fait qu'après quelques temps, les deux peuples étaient en conflit. Alors, les gens qui étaient à Juda, là où il y avait les temples, ils avaient interdit à ceux-là qui étaient en Samarie de venir adorer Dieu à Jérusalem. Alors ça fait que les gens qui étaient à Jérusalem, ils n'avaient plus d'endroit pour adorer. Ils se sont créés des hauts lieux. Comme on n'avait plus accès à Jérusalem, là où il y avait les temples, ils se sont créés des temples. Et c'est dans ces temples-là où les étrangers commençaient à fréquenter. Plus ils fréquentaient les temples des Samaritains, plus aussi ils suivaient ces temples par leur manière de vivre. Et c'est comme ça qu'ils ont influencé les Samaritains jusqu'à se marier avec les Samaritains. C'est ainsi que les Samaritains étaient considérés comme un peuple mélange. Il y avait des païens et il y avait des enfants de Dieu. Alors Juda, qui était considéré comme le véritable peuple, il regardait les Samaritains comme des pécheurs, comme des païens. Comment est-ce que vous êtes liés en mariage avec les païens? Comment est-ce que vous fréquentez les païens? Comment est-ce que les nations sont avec vous? Alors ça avait créé une grande barrière entre les deux peuples. Et c'est là le conflit entre les Juifs et les Samaritains. Alors les Samaritains étaient déjà censés être ennemis de celui qui était là. Il était censé passer, d'ailleurs lui il avait tous les droits de passer. Parce qu'il n'avait rien à voir avec celui qui était couché. Il venait de Jérusalem, donc c'était un Juif. Mais la Bible dit que les Samaritains voulaient passer. Il s'est arrêté. Il eut compassion de lui. Il a pris cet homme. Il a mis de l'huile et du vin sur lui pour calmer ses plaies. Il a fait monter sur sa propre monture. Il l'a amené à l'hôtellerie. Et le lendemain, il dit à l'hôte, continue le travail. Je te laisse deux deniers. Et ce qui va manquer, je te le paierai à mon retour. Bien-aimé, l'image du bon samaritain, c'est Jésus. Il nous a vus là où nous étions, perdus, tabassés par les diables, malmenés par Satan. Nous n'avons plus aucun avenir. Il a laissé son travail, il a quitté là où il était, il est venu pour nous. Il eut compassion de nous. Et il nous a mis sur sa propre monture, il nous a amenés dans son église. Alléluia. Il a fait de nous son peuple. Et ce que j'aime dans cette lecture, il a laissé deux deniers pour que cela serve à prendre soin de la personne qui était par terre. Bien-aimé, Christ aussi, avant de partir, il nous a laissé deux deniers qui nous permet d'être forts, qui nous permet de vaincre, qui nous permet de continuer à tenir. Il nous a laissé la parole et il nous a laissé la prière. Par ces deux deniers, bien-aimé, tu peux entrer en contact avec lui. Par ces deux deniers, tu peux fonctionner comme lui. Quand tu es un homme de prière, quand tu es un homme qui aime la parole, bien-aimé, tu seras agréable à Dieu. Parce que c'est la force des enfants de Dieu. C'est ce que Pierre avait compris. Au lieu de continuer de servir sur la table, non, donnons-nous à ces deux choses, à la parole et à la prière. Quand vous perdez ces deux choses, bien-aimé, comptez seulement le temps pour que vous séchiez. Quand vous ne priez plus, quand vous ne méditez plus la parole,
Même si vous êtes debout, il vous reste peu de temps pour que vous puissiez sécher. C'est ça la force des chrétiens. Et si tu n'as pas cédé des choses bien aimées, tu auras du mal pour aimer les gens. Nous aimons les gens par rapport à la parole de Dieu. Nous aimons les gens par rapport à ce Dieu-là qui nous donne la force dans la prière. Plus tu pries, plus aussi il te donne le moyen d'aimer. Des fois, aimer n'est pas seulement naturel. Des fois, il te faut une force pour aimer. Ça arrive des moments où c'est la chair qui se manifeste. Tu sens réellement que non, j'ai toutes les raisons de haïr cette personne. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu pries, il te donnera la force pour aimer. Il te donnera la capacité pour aimer. Alléluia. Regardons la vie de Jésus. Il était à côté de Judas. Mais jamais il n'avait mis mal à l'aise Judas. Il savait que celui-ci ne m'aimait pas. Mais Jésus l'aimait. Parce qu'il lui avait même confié l'argent du groupe. Alléluia. Plus tu pries, plus aussi tu médites ta parole, tu auras la substance qui va t'aider à aimer ton frère. Tu sauras dominer la chair. Parce que des fois, la chair nous donne un autre message. La chair peut te montrer tout le mal qu'on t'a fait. La chair va te dire, tu dois chasser cet homme. Mais c'est en esprit que nous recevons la chose qui nous amène à aimer, qui nous amène à supporter. Alléluia. Et à la question que cet homme avait posée, qui était réellement son prochain? Quand il a fini de voir ce que Christ avait dit, il a compris que son véritable prochain, c'était les Samaritains, c'était son ennemi. Bien-aimé, ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton frère ici à l'église, c'est ton ami. Mais au-delà de tout, ton prochain, c'est ton ennemi. Ton prochain, c'est ton ennemi. C'est celui-là qui te critique, c'est lui ton prochain. C'est celui-là qui te calomnie, c'est lui ton prochain. C'est celui qui t'a dit déjà une fois, Ngana linga kayote, c'est lui ton prochain. C'est celui qui te refuse des choses, c'est lui ton prochain. Christ a dit à ses disciples, si vous faites les choses comme les païens, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Qu'est-ce que les païens font? Les païens s'aiment entre eux. Les païens se soutiennent entre eux. Tu m'aides, je t'aide aussi. Tu me donnes, je te donne aussi. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est ça les païens, c'est ce qu'ils font. Mais Christ nous dit, si vous vous comportez comme ça, en vous haïssant les uns les autres, en remettant le mal par le mal, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens ne font-ils pas la même chose? Si quelqu'un t'a blessé et que tu penses aussi blesser la personne, tu es comme un païen. Tu fais des choses comme un païen. Si quelqu'un t'a critiqué, tu penses aussi critiquer la personne, tu fais la même chose que le païen, tu es comme un païen. Tu te comportes comme un païen. Combien de fois on s'était pas battu? Pourquoi? Parce qu'on nous avait mal parlé. Allo Belinga Boy, est-ce qu'il y a Yebingaï? Est-ce que ce banga na zanani? Wana papa diakre mta osalabo. Abo sani nan kaza diakre. Ake non ko si la nana moutou. Apra zongelie la mbaba diakre. Au Nigeria, il y a eu deux personnes qui se sont battues. Il y avait des problèmes. L'autre, il a commencé à jeter. A oubwa kele ba jeton. En plein chair. Il dit des choses sur l'autre. Wana banda ota la kaka. Et un jour, en plein culte, il s'est levé, les gens croyaient qu'il allait mettre l'offrande. Il s'est jeté sur son collègue pasteur. Du haut de la chair, ça commençait. Nazalaka ancien judoka, il faut na laksaï. Bien, mais quand tu deviens en Christ, même si tu es judoka ne commet en Christ. Alléluia. Même si vous avez un papa, pour papa, il faut que vous ayez un mais papa, non, et comme il y a un Christ, papa, il faut que vous ayez un il faut que vous ayez un même si tu parlais beaucoup, on savait que vraiment toi, tu étais une machine à parler. Quand
quand tu t'es converti, utilise cette machine pour évangéliser. Va de lieu en lieu. Utilise cette machine, parle de Jésus. C'est ça ce que tu avais comme héritage dans le monde. Alors utilise ça, mais pour la gloire du royaume. Mais il ne faudrait pas que tu nous rappelles ce que tu étais dans le monde. Je veux te montrer. Kenga basakana nangate na Yesu. Na Yesu baki basakana naote ye moku basakana nae. Bakate mandefu. Tu ne dois jamais tenir de tel langage. On s'est moqué de lui. Il est mort à la croix nu, mon frère. Dieu a accepté d'aller à la croix, dénudé, pour toi et moi. Alors, pourquoi nous sommes basakana nao? Parce qu'il a dit, si on peut faire de telles choses au bois qui est vert, à combien plus forte raison au bois sec. Si on lui a humilié, alors toi et moi. C'est pourquoi à chaque fois que nous subissons des choses, préparons nos cœurs. Pensons à ce moment-là, que fera Christ à notre place. Avant d'agir, pense, Christ à ma place, comment il va réagir. Avant de poser un acte, pense à ce que Christ fera s'il était là. Ça va t'aider. Ton véritable prochain, c'est celui-là qui te blesse de temps en temps. Il parle toujours du mal sur toi. Lui, c'est lui ton prochain. Et tu dois supporter cet homme. Mais pour supporter, il faut avoir la prière, il faut avoir la parole. Alléluia. Bien-aimé, j'aime Dieu. Parce que celui qui place à côté de toi, il ne le met pas en vain. La personne à côté de toi, c'est une personne stratégique pour ta destinée. Il peut paraître bon, il peut paraître mauvais, mais c'est une stratégie de Dieu pour ton lendemain. Il y a certaines personnes, Dieu vous connaît, il vous placera à côté des hommes mauvais pour vous motiver à aller de l'avant. Okobonga, à côté à Moutou Abando Fingayo. A ko memelo défi, o ko ko relevé défi na vie na yo ko bunga. Quelqu'un qui t'insulte, toi tu n'es rien, toi tu n'es rien, toi tu n'es rien. Ne prends pas cela comme une malédiction, c'est un pouce vers l'avant. Plus il te parle, plus il te dit, il faut que je l'éprouve. Moi je ne suis pas ce qu'il dit. Et pendant que tu vas l'éprouver, tu seras en train d'avancer. Et un jour tu seras dans ta destination. Poussé par quelqu'un qui était mauvais. Poussé par quelqu'un qui était méchant, poussé par un ennemi, mais il t'aidera à atteindre ton trône. C'est pourquoi n'haïs pas le canal que Dieu est en train d'utiliser pour toi. Il ne faut pas haïr l'instrument que Dieu utilise pour toi. C'est stratégique. Si Joseph n'avait pas ses frères qui les haïssaient, il n'allait pas aller en Égypte, il ne serait pas premier ministre. Dieu utilise des hommes, que ce soit bon ou mauvais, pour nous amener de l'avant. C'est pourquoi, bien aimé, même quand tu pleures, oui, pleure parce que tu es dans la chair. Pleure s'il le faut, mais il ne faut pas haïr cet homme-là. Je connais la sœur d'un ami. Son père l'insultait. Toi vraiment, tu mourras du sida. Toi vraiment, tu es pute. Toi. Son père l'insultait alors qu'elle n'avait rien fait. Elle quittait l'université à son retour. Son père imaginait toutes les mauvaises choses que cette fille-là pouvait faire, alors qu'elle n'était pas dans cela. Et un jour, pendant qu'elle pleurait, elle s'est dit, je ferai tout pour que mon père sache que je n'étais pas ce qu'il pensait de moi. Le père pensait que la fille, en sortant, elle allait se méconduire, alors qu'elle allait pour ses études. Elle a fini ses études. Elle a eu un travail et aujourd'hui, c'est une grande dame. Elle donne cela comme un témoignage. Que si je suis arrivé là où je suis, c'est aussi mon père qui m'avait poussé à cela. Quand j'écoutais ces insultes, je me disais, il ne faut pas que je finisse ma vie comme tout le monde. Sinon, ces insultes auront raison sur moi. Il faut que je fasse le contraire pour qu'ils voient réellement que je n'étais pas ce qu'ils disaient. Alléluia. Bien, mais plus on t'insulte, plus on te critique. Prends cela. Bongolango, eloko malam, ekenina luboso. Alléluia. Mais si tu les prends pour te fondre en toi-même, tu vas rater le meilleur que Dieu a destiné pour toi. Il y aura toujours des gens à côté de nous, des bons tout comme des mauvais. Et nous devons savoir les supporter, les aimer
être avec eux jusqu'à ce que Dieu lui-même décidera autrement. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur.